Voilà, bonsoir, bonsoir tout le monde, bienvenue dans votre euh, je vais pas dire émission euh, Le chant du coq parce que ouais, peu importe. Hein. Voilà, en tout cas, que le son soit béni, nous sommes bel et bien en direct sur TV et radio de vie. il est euh, 20h euh, moins il est 19h40, pratiquement une heure locale et nous sommes en direct. Voilà, donc euh, cette semaine est, est une semaine consacrée à la formation biblique et euh, que le Seigneur soit béni, Père. Nous voulons te bénir. Merci pour mes frères et sœurs. Merci, Seigneur, pour ces hommes et ces femmes, Seigneur, à, à qui tu as, Seigneur, confié diverses grâces. Merci pour l'amour de la vérité que tu as mis dans nos cœurs, Seigneur. Merci pour cet amour qui nous permet de te de, de chercher, de méditer ta, ta parole, Seigneur. Et merci pour... Ces écailles qui tombent, qui tombent de nos yeux, Seigneur. Nous voulons vraiment élever ton nom ce soir. Nous voulons nous approcher de ton trône, Seigneur, tel que nous sommes. Père, garde nos cœurs. Merci pour euh, cette, ces pensées, Seigneur, qui, qui sont brisées, ces pensées qui sont soumises à ta parole, Seigneur. On dit, Yeshua, que ta parole nous libère. Qu'elle nous libère, Seigneur, de nous-mêmes, de la chair, du péché, des puissances occultes, Seigneur. Et nous confessons ta Seigneurie ce soir, on dit, Yeshua. Notre Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Wow. Gloire au Seigneur. Quel témoignage. Hein ah c'est. Tu as été banni. <laughs> Nous avons été bannis euh, dans les années 80. On était oh, moi enfant. Hein, on était avec euh, et, euh, un frère qui, qui qui est pour moi un père dans la foi. Et euh, on était dans une église euh, pentecôtiste et euh, traditionnelle. Et, et lui, il était anti-système des hommes. Donc, on était à l'école de dimanche avec lui, à l'Écodim, et il nous, il nous formait et il nous enseignait la parole. Et donc, quand euh, le pasteur, les anciens, les diacres de l'Église où nous étions ont vu que ce frère et euh, aimait la vérité et qu'il qu était opposé à sa, aux pratiques euh, observées dans cette assemblée ben, ils nous ont tous hein, et lui et nous, hein, ils nous ont bannis alors euh, nous sommes allés chez les baptistes donc arrivés là-bas on a trouvé des pasteurs euh, euh, comment dire soulards, euh, des diacres sorciers et impudiques bon, on faisait des veilles de prière et la gloire du Seigneur se manifestait et alors, pareil, hop, on nous a, on nous a chassé de là. Et euh, donc, euh, nous sommes des, des bannis hein, perpétuels. À chaque, à chaque fois, on nous bannit, on nous chasse, on nous expulse des, des endroits, des lieux. Donc, c'est une grâce. Voilà, sois vraiment encouragé. Et ce n'est que le début hein, voilà, de tes, tes souffrances. Voilà, parce que marcher à contrevent, ce n'est pas toujours facile. Voilà. Avez-vous des questions sur euh, les deux soirées d'enseignement Non, ça va. D'accord. Gloire au Seigneur. Alors, on va reprendre Matthieu, enfin Apocalypse chapitre 22. Seigneur, merci. Et on va lire. Le verset, verset seize. Moi, Yéhoshua, j'ai envoyé mon ange pour vous rendre témoignage de ces choses dans les églises. Je suis la racine et la race de David. L'étoile brillante est matinale. Et l'Esprit et l'épouse disent viens. Et que celui qui entend dise viens. Et que celui qui a soif vienne, n'est-ce pas? Que celui qui a soif vienne euh, prendre de l'eau de la vie gratuitement. Voilà. Donc le verset 17, on le relit. Et l'Esprit et l'épouse dise ⁇ viens ⁇ Et que celui qui entend dise ⁇ viens ⁇ Amen Celui qui entend quoi eh bien, Celui qui entend euh, la parole basée sur le Seigneur. L'enseignement basé sur le Seigneur et notamment sur son retour. Voilà. Donc l'Église qui va demander au Seigneur de venir, de revenir, c'est l'Église qui entend la parole basée sur le Seigneur. C'est l'Église qui va entendre parler du ciel. Comment voulez vous inviter le Seigneur? Comment voulez vous que le Seigneur vienne si nous ne désirons pas son retour? Voyez. Donc, voilà pourquoi la parole ici euh, 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 voilà pourquoi le Seigneur il dit ici que c'est l'Esprit et l'Église qui vont demander au Seigneur de venir. De venir. Voilà. Et à force d'entendre parler du Seigneur, nous, les, les chrétiens, ceux qui l'entendent constamment, qui entendent constamment parler du Seigneur, ils, ont, ils vont avoir besoin, envie de le voir. Plus on vous parle de quelqu'un de ses exploits plus vous allez n'est- ce pas plus vous allez, vous allez désirer le voir vous chercherez à le rencontrer à le connaître mais c'est la même chose aujourd'hui si beaucoup de chrétiens ne font plus euh, à, comment dire cas du retour du seigneur c'est parce que on leur parle pas du, de ce retour là si beaucoup de chrétiens même ont peur de la mort c'est parce qu'on ne leur parle pas du ciel voyez voilà tout simplement et euh, et euh, donc ici là mes amis là quand on lit et euh, cette parole, on comprend que les premiers chrétiens entendaient beaucoup euh, parler du Seigneur, beaucoup euh, le retour, parler du, du retour du Seigneur, énormément. Et euh, depuis quelques années, en Occident, un peu partout, malheureusement, dans le monde, on ne parle pratiquement plus du retour du Seigneur. Très peu de gens en parlent. Et la plupart, comme vous le savez, des enseignements qui sont apportés, c'est des enseignements basés sur l'être humain, sur le développement personnel. Comment être champion, un champion, comment être puissant, tout ça, comment renverser des hôtels, et uh, tout ça. Euh, souvent, les, 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 les... Et, uh, je regarde un peu, hein, j'essaie de parcourir un peu euh, les, les différents sites internet, les chaînes chrétiennes, les prétendues chaînes chrétiennes, pour voir un peu ce qui se passe, et je me, je me rends compte que et, uh, très souvent, il y a des prières euh, matinales, hein, et, uh, en direct, que, que ces gens organisent. Et ça parle beaucoup plus de comment chasser les démons, comment remporter la victoire, et euh, comment vaincre Satan, comment euh, euh, trouver un mari, une femme, et tout, comment exercer son ministère, et, euh, et beaucoup plus axé sur le combat spirituel, notamment le renversement des hôtels, et tout, et euh, comment prier pour sa bénédiction, et tout. Mais très peu parlent du retour du Seigneur. C'est quand même, quand même grave. Ça fait 2000 ans que nous attendons son retour. Ça fait 2000 ans que le Seigneur nous a promis qu'elle allait revenir, et il est en train de venir. Et euh, je me rappelle quand on s'est converti dans les années 80, on entendait tellement parler du retour du Seigneur. Donc il y avait des églises traditionnelles, donc baptistes, pentecôtistes, et à côté, il y avait des églises, il y avait des groupes de prière qui étaient dirigés par des... Des gens qui ne voulaient pas porter le titre de pasteur, mais on les appelait les bergers, mais c'est la même chose. voyez Et dans ces groupes de prières, on parlait du retour du Seigneur. Et dans les églises traditionnelles, non. Les pasteurs prêchaient sur la dîme parce qu'ils avaient un salaire. Et, euh, et euh, voilà. Donc il ne fallait surtout pas déranger les, les, les brebis, il fallait pas trop les secouer en leur parlant trop du péché et tout, et euh, pour ne pas qu'ils qu quittent l'assemblée. La, la, mais dans les groupes de prière, on parlait beaucoup du retour du Seigneur. Et on était convaincu qu'il qu allait revenir dans les années 80. Donc il faut avoir toujours cette mentalité-là. N'est-ce pas Pour ne pas tomber, pour ne pas faire marche arrière. Vous voyez Et euh, donc nous, on était tellement convaincus qu'il allait revenir dans les années 80 qu'on a, qu a, qu a négligé les études. Parce qu'on se disait ben, ça sert à quoi Parce qu'on va partir bientôt. Vous <laughs> voyez donc du coup, on voulait vraiment pas pécher parce qu'on se disait qu'il faut préparer les choses et tout. En fait, il faut toujours avoir cette mentalité, mais tout en faisant des études pour ceux qui sont encore à l'école. Donc il faut l'équilibre. Donc si on perd cette notion, c'est fini. C'est fini. Vous savez, quelqu'un qui sait qu'il va mourir dans une semaine, la personne va essayer de ranger, hein, de, de régler toutes ses, toutes ses affaires, toutes ses affaires. Voilà. De se réconcilier avec tout le monde parce que bon, il lui reste très peu de temps. Mais vous voyez cette notion-là de l'imminence du retour du Seigneur, si on la perd là, c'est fini. C'est fini. Et c'est ce qui se passe avec nos, la plupart de nos églises. Il n'y a plus cette notion-là. C'est pour ça que les gens ils sont à l'aise. C'est pour ça qu'ils sont tranquilles. 80, je suis allé, je suis allé, je suis allé dans, un, euh, dans un pays et euh, en plein séminaire, je posais la question aux frères et sœurs qui étaient là. Qui sont ceux et celles qui sont divorcés et remariés 90% de l'Assemblée divorcé, est étant chrétien. Je dis au pasteur, mais il faut casser ici. Il faut tout casser. Ça, ça ne sert à rien. Soit ces 90% vont, n'est-ce pas, retourner avec leur femme, avec leur mari. Soit, il faut les virer de l'Église. Parce qu'il faut ôter le méchant du mieux de nous, comme la parole le dit. Et, 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 et les gens, bien sûr, ils ne parlaient pas du retour du Seigneur. Voilà. Je connais des pasteurs, notamment, je vais souvent faire enfin, ici et là, hein, en mission, des pasteurs, ils, sont, ils ont deux ou trois femmes. Et, euh, tout le monde le sait, mais c'est normal. Ah ben, oui. C'est normal. Et, euh, enfin bref. Vous savez, on doit être constamment prêt par rapport au tout du Seigneur, hein, comme par rapport à la mort, parce que la mort est à la fois imprévisible et inévitable. Là, je viens d'apprendre le décès d'un pasteur qui, qui est très connu en France, et, euh, et euh, qui, qui dirigeait une grande assemblée là-bas, je crois qu'au Bervilliers, il vient de décéder, et euh, voilà, Covid. Et euh, voilà, c est, c est, c est, et il faut être toujours prêt, toujours. Toujours. Là, je viens de parler avec euh, deux sœurs, là, tout à l'heure. Voilà pourquoi je suis, je suis, euh, je suis euh, en retard. Euh, je suis en train de parler avec elles pour, euh, et leurs parents au Congo pour les encourager. Ils viennent de euh, cette famille vient de perdre euh, leur cadet. Et, euh, ce jeune homme, euh, c'était un, un frère. Il avait quoi 15 ans. Il est mort il y a quoi 3 jours. Donc, c'est un des frères là-bas au Congo. Avec des frères et sœurs, ils sont sortis de l'Assemblée, hein, d'une des Assemblées là-bas. Euh, des frères, ceux qui, qui aiment la parole, qui, qui sont avec nous, qui, qui, qui avec qui ont on prie. Donc ils sortent de, de, de la réunion de prière, ils vont jouer au foot entre eux. Et puis pendant, pendant le foot, ben, le jeune homme fait une crise et euh, voilà il sert sa, touche sa poitrine et tout, euh, il se met à genoux et ben fini, il est parti. 15 ans. Donc vous voyez à quel point euh, on est fragile. Voilà pourquoi il faut toujours être prêt, toujours. Cette notion d'être toujours prêt, là, mes amis, il faut qu'on l'ait toujours, toujours, toujours. Je, je suis étonné de voir des chrétiens qui pratiquent volontairement le péché et qui vont prendre l'avion naturellement. Mais ça peut tomber, mais tu te rends compte je suis, je suis étonné de voir des gens qui pratiquent volontairement le péché et qui vont dormir normalement sans se rendre compte qu'ils peuvent partir comme ça. Vous vous rendez compte C'est-à-dire, sous nos yeux, sous nos, nos, nos pieds, pardon, nous avons le feu, nous avons l'enfer. On peut partir en une seconde, tac, c'est fini voilà pourquoi l'Église véritable, constamment, cette Église doit dire au Seigneur, viens, Seigneur, viens, viens. D'accord Viens. Et euh, on a vu que celui qui vient, justement, c'est celui qui est, qui était et qui vient. Le Tout-Puissant. Donc celui qui vient, c'est le Tout-Puissant. On l'a vu dans la parole de 1. Et celui qui vient, c'est qui Eh c'est Elohim, comme Esaïe le dit. Il viendra lui-même. Ésaïe 35, on l'a vu. Celui qui vient, c'est qui ben, C'est Yahweh qui vient. Yahweh viendra. Yahweh sortira. Zachary 14. Donc c'est Yahweh qui vient. Et celui qui vient, c'est qui ben, C'est le maître. Et il y a ce passage de 2 Pierre 3 qu'on a lu hier, qui est aussi très puissant. Et euh, 2 Pierre, chapitre 3. Le verset. Euh, à partir du verset 10. Or le Seigneur, or le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Or le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Hier, nous avons vu que la nuit chez les Romains euh, était, était subdivisée en quatre veilles. Encore. Donc le soir, de 18h à 21h, la, la, euh, minuit. De 21h à minuit, et, euh, et ensuite l'heure où le coq chante, de minuit à 3h, et le matin de 3h à 6h. Et on a vu que, et euh, selon la parabole de Matthieu 25, donc euh, qui parle de dix vierges, on nous dit que parce que les l'époux tardait à venir, les dix vierges se sont d'abord assoupies et endormies. Et à minuit, on nous dit que quelqu'un est venu pour crier. Voilà. À minuit, on cria. Voici l'époux, viens. Ah, voici l'époux, viens aller à sa rencontre. Regardez. Et donc, on a vu, on va le lire tout à l'heure. D'abord, dans Pierre, 2 Pierre 3, 10, on a vu qu'ici, ici il est question du jour du Seigneur. Et au verset 12, on nous dit, en attendant et en attendant l'avenement du jour d'Elohim. Donc, on voit que c'est le même jour, hein le jour du Seigneur, le, le jour d'Elohim. D'accord voilà, c'est le même jour et regardez dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 1. Mais concernant les temps et les époques, frères, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive puisque vous savez vous-même précisément que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Alors ici venir, le verbe venir est au présent. Le jour du Seigneur vient. Donc il est en train de venir ce jour-là, comme on l'a vu. Et euh, on nous dit que ce jour-là viendra comme, n'est-ce pas, un voleur dans la nuit, n'est-ce pas Alléluia, gloire au Seigneur. Voilà, comme un voleur dans la nuit. Quelqu'un pourra nous lire Apocalypse 3,3. Apocalypse 3, 3. Bon. Rappelle-toi donc, Rappelle donc, comment tu as reçu et entendu et garde et reprends-toi si tu ne veilles pas. Je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Ah voilà. Je viendrai comme un voleur. Comme un voleur. Voilà. Et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai. Voilà. Comme un voleur. Et euh, on peut prendre aussi, je crois que je crois qu'il y a Apocalypse seize, 15, si je ne me trompe pas. Voilà, voici, je viens comme un voleur. Béni est celui qui veille et qui garde ses vêtements afin de ne pas marcher nu et qu'on ne voit pas sa honte. Voyez, voici, je viens comme un voleur, nous dit le Seigneur. Voilà, et euh, Jean l'a dit, d'abord le Seigneur l'a dit, hein Jean l'a entendu, et Pierre l'a dit. Et c'était l'enseignement du Seigneur. Il a dit à plusieurs reprises qu'il allait venir comme un voleur. Et les voleurs nous surprennent. Donc ce sera un jour qui va surprendre beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Voilà pourquoi il nous demande à chaque fois de veiller. Et, euh, et Pierre, Paul le rappelle aux Thessaloniciens en disant, vous savez vous-même que le Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Donc, l'avantage pour nous, c'est quoi Nous qui avons euh, reçu la grâce d'être euh, ses enfants, c'est que nous savons à quelle veille de la nuit le Seigneur allait venir. Nous ne savons pas à l'heure exacte, mais nous savons au moins à quelle veille. Parce que selon la parabole de Matthieu 25, regardez, on a, on a, on, ici nous avons une, une information capitale sur la veille. Euh, euh, voilà, sur le retour du Seigneur, Matthieu 25. Alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Déjà, ici, on voit bien que... Ces dix femmes qui représentent bien sûr l'église, euh, l'ensemble des personnes qui se réclament du Seigneur, d'accord Et on nous dit que ces femmes vierges allaient toutes à la rencontre du Seigneur. Donc vous voyez bien que notre, la, la raison pour laquelle nous sommes convertis doit être le Seigneur, le, la rencontre du Seigneur, la, la, les noces. Ça doit être la raison pour laquelle nous, nous sommes convertis. Il y a des gens qui sont convertis parce qu'ils ont peur. Il tout simplement d'être attaqué par les démons, ils ont peur des sorciers, donc du coup ils se convertissent. Et si vous avez peur de quelqu'un qui est sorcier, si vous avez peur d'un oncle, d'un père, d'une mère qui, qui serait sorcière ou sorcier, je ne sais pas, et qui vous convertisse à cause de cela, le jour où cette personne mourra, bah, votre foi partira avec. Vous allez vous dire, bah, la personne qui, qui en voulait à ma vie est décédée, donc je n'ai plus aucune raison de craindre le Seigneur. Vous voyez donc, si vous êtes converti parce que vous, êtes, euh, vous avez suivi une femme ou un homme, mais le jour où cette personne va vous décevoir ou vous quitter, vous allez, n'est-ce pas, abandonner la foi. On doit se poser la question, pourquoi sommes-nous convertis Vous voyez Quand des gens viennent me voir pour me dire, frère, vraiment, j'ai du mal à craindre le Seigneur, j'ai du mal à faire ci, si, je dis, c'est simple. Je ne suis pas mieux que vous. J'ai peut-être plus de faiblesses que toi, que vous. Croyez-moi. Mais, vous ne, tu ne peux pas craindre le Seigneur, mon frère, ma sœur, si tu n'as pas reçu sa révélation. Ça commence par là. Vous savez, vous ne pouvez pas demander à un fœtus, n'est-ce pas, d'apprécier la valeur des choses hein le, le, le goût des aliments. La beauté de la création, alors qu'il n'est pas encore né. Vous ne pouvez pas demander à un fœtus, à un enfant qui est dans le ventre de sa mère, d'apprécier les couleurs. Il faut qu'il sorte d'abord du ventre. Il faut qu'il naisse. Vous pouvez parler à cet enfant de, du soleil, de l'arc-en-ciel, de, 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 de la beauté de la création, des étoiles. L'enfant va entendre tout ça, oui. Mais il, te, il, il, il peut vous dire, admettons s'il parlait, si on pouvait parler, l'enfant enfant il te dire, oui, j'entends tout ça, mais je ne peux pas apprécier le goût des choses, la valeur des choses, parce qu'il faut que je naisse. Vous voyez Donc tout commence par la naissance d'en haut, la conversion. Et pourquoi sommes-nous convertis Pourquoi fréquentes-tu cette assemblée Est-ce parce que tu suis un homme Est-ce que parce que tu suis une femme oui, parce que tu es convaincu. Parce que si tu, tu suis, tu vas être un suiveur, tu vas, être, tu vas, tu vas faire les choses par. Il n'y aura pas la conviction. Tu vas le faire avec hésitation, avec doute, hein, et, et, parce qu'il n'y a pas eu cette rencontre-là. Donc du coup, il n'y aura pas la vie, il n'y aura, aura pas la crainte. La crainte du Seigneur, la sainteté, l'amour, tout ça, c'est la vie. C'est comme de l'eau. Ça coule. Vous savez pourquoi ça coule Parce qu'on est connecté, parce qu'on est greffé. On est greffé. Vous comprenez Pourquoi je dis tout ça là Il y a une raison Oui. T'as pas bien compris. OK. Regardez, nous sommes des branches. Nous sommes des branches. Des sarments. D'accord Pour qu'un sarment porte du fruit, là c'est l'arbre. Là les racines. Là c'est le sol. Là c'est des branches. D'accord Là les fruits. D'accord Si cette branche est coupée de l'arbre, il n'y aura pas la sève pour l'alimenter, afin que cette branche porte des fruits. Voilà. Donc, les fruits, c'est quoi L'amour, la joie, la bonté, la paix, la sanctification. La crainte du Seigneur, l'amour pour le Seigneur, l'amour pour les âmes, l'amour pour la prière, l'amour pour la parole du Seigneur, on, la méditation de la parole. Si quelqu'un n'a pas ces choses-là, ben, même si la personne euh, 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 fréquente une assemblée, ben, elle ne pourra pas porter, avoir ses fruits. Mais ben, pour qu'elle ait ses fruits, il faut qu'elle soit connectée au Seigneur. Donc la conversion. Vous voyez C'est pour ça que je disais que... Les gens qui, euh, euh, qui ne parlent pas du retour du Seigneur, les gens qui ne s'attendent pas au retour du Seigneur, c'est des gens qui ne sont pas connectés au Seigneur. Voilà. Et voilà pourquoi parler des fruits à cette branche, c'est bien. Mais la branche peut vous dire Mais moi je ne suis pas, je, je n'arrive pas à porter les fruits que vous, dont vous parlez. Donc tu demandes à quelqu'un de, de se sanctifier, c'est bien. Mais il faut d'abord commencer par lui dire comment faire pour se sanctifier. D'accord Pour se sanctifier, c'est simple, il faut te connecter au Seigneur. Et si tu es connecté, la sanctification va devenir naturelle. Parce que c'est la vie que le Seigneur te donne. Donc la vie va couler en toi, et naturellement. Voilà pourquoi, Et euh, je disais que beaucoup de gens, par rapport à cette parabole, hein, ne savent pas pourquoi ils vont, ils sont, ils vont, dans les, ils vont à, à la prière. Pourquoi ils ne savent pas pourquoi ils vont dans les enseignements vous comprenez? Ouais. Parce qu'ici, on voit les dix vierges qui vont à la rencontre de l'époux. C'est ça, être chrétien. Dès le jour où tu es converti, tu dois comprendre que tu t'es engagé dans un chemin, sur une voie, qui t'amène au, au Seigneur. Tu vas à la rencontre de ça. que lui vient et nous nous allons vers lui. Vous voyez un peu la vie chrétienne? Le Seigneur vient et nous nous allons à sa rencontre. Voilà. Vous comprenez un peu? Ok, donc voilà pourquoi on nous dit ici que les dix vierges ont pris leur lampe et elles sont parties à la rencontre du Seigneur. Mais maintenant, il y a des gens qui vont dans les églises, dans les assemblées, non pas pour rencontrer le Seigneur, mais pour rencontrer les pasteurs. Ils vont dans les églises parce qu'ils ont repéré une femme là-bas qui leur plaît. Un homme va à repérer une sœur à l'assemblée. Ah ben, je veux commencer à fréquenter l'assemblée. Et il peut même prendre son baptême. Il peut même commencer à lire la Bible. Mais il ne va pas à la rencontre du Seigneur. Il est parti à la rencontre de Joséphine, qui chante à la chorale. Alléluia. Est-ce que vous comprenez C'est ça, en fait. Il y en a, ils vont à l'assemblée la, parce qu'ils ont faim. La plupart de ceux qui suivaient le Seigneur, c'était parce qu'ils avaient faim. Le Seigneur a dit quoi dans Jean 6 Vous me suivez Regardez, Jean 6. Non, ce n'est pas le lire, vous notez seulement. Vous, vous lirez ça à la maison. C'est une histoire qui, moi, me, me fait toujours rire. Et me montre à quel point l'être humain est vraiment particulier, et vraiment méchant. Ces hommes dans Jean 6, ces hommes et ces femmes, le Seigneur les nourrit. Hein, plus de 4000 personnes. Ensuite, ensuite le Seigneur va s'éclipser. Il va s'éclipser, il va se retirer, il va se cacher. Ces gens, eux-mêmes, vont prendre des barques, des bateaux, ils vont aller chercher le Seigneur. Il est où, il est où, et on a bien mangé, on a mangé du pain, on a mangé du poisson, il est où, il est où, ils vont le chercher. Ensuite, ils vont le trouver. Et le Seigneur leur dit Vous me cherchez, non parce que vous avez les miracles, mais parce que vous avez mangé. Voilà. Travaillez pour la nourriture éternelle et non pour celle qui périt. D'accord Et ensuite, ces gens disent Le Seigneur dit Travaillez pour le pain que moi je peux vous donner. Et ces gens disent au Seigneur Donne-nous ce. Ce pain. Et le Seigneur leur dit Le pain, c'est ma chair. Et les mêmes personnes qui ont demandé au Seigneur le pain, il leur a, il leur a proposé le pain, le pain du ciel. C'est les mêmes personnes qui lui ont dit Non, 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 cette parole est dure. Qui peut l'entendre Vous voyez Donc, ils suivaient le Seigneur, non pour aller au ciel, non pour les noces, non pour être enlevés lors de l'enlèvement de l'église, mais pour manger. Voilà pourquoi beaucoup de gens, ils vont dans les églises. Juste pour. parce qu'ils sont malades, ils ont besoin d'être guéris. D'autres parce qu'ils ont besoin d'une un, femme, d'un homme. D'autres parce qu'ils ont besoin d'argent. Mais très peu vont prier avec des frères et sœurs parce qu'ils sont là pour le Seigneur. Ils vont sa rencontre, comme ces dix vierges. D'accord Donc, pendant qu'elles allaient à la rencontre du Seigneur, ben le temps passait. Elles continuaient à, à y aller. Le temps passait. Et elles se sont dit non mais il ne vient pas. Alors on va s'assoupir un peu. Ces femmes se sont reposées, commencent à somnoler, à somnoler tout ça, et à s'endormir complètement. Et à minuit, regardez le verset 6. Le Matthieu 25. Et au milieu de la nuit, il se fit un cri. Dites-moi, quel est ce cri C'est quoi ce cri? Ce cri, c'est quoi Voici. L'apôtre Jean Kouetou, le pasteur Jacques Matanda, voici le pasteur Ibrahim, je ne sais pas qui. Non, voici l'époux. Ah Donc c'est l'époux qui vient. C'est l'époux qui vient. Et je veux dire. Mes amis, c'est magnifique. Hein Donc, ça veut dire que celui qui vient, hier, on a vu que c'est Elohim, le Seigneur, et là, on voit ce soir, c'est l'époux qui vient. D'accord Vous savez, chez les Hébreux, lorsqu'un homme fiançait, lorsqu'un homme voulait épouser une femme, il, il en parlait à ses parents, et l'homme et ses parents allaient voir les parents de la femme. Il euh, la fiançait. Après les fiançailles, l'homme repartait chez lui, chez ses parents, pour préparer une place. Et la femme restait chez elle. Et pendant tout ce temps où la femme attendait le retour de l'homme pour la prendre, elle devait toujours être maquillée, parfumée. Même la nuit. Oui, parce que l'homme ne disait pas, c'est dans, dans leur tradition, hein. Dans leur coutume. Et homme, les hommes ne disaient pas à quel moment ils allaient venir pour prendre leur femme. Il y en a qui pouvaient arriver à 3h du matin. Et si la femme n'était pas apprêtée, elle ne partait pas. Ben bah ouais. Voilà constamment, la femme juive, fiancée, devait se préparer, s'apprêter. Et souvent, cette femme était entourée d'autres jeunes femmes qui l'aidaient à s'habiller, à à, à, ce, à par rapport à sa toilette, tout ça. Ben bah oui! Et voilà pourquoi le Seigneur a procédé de la même manière. Quand Samson est allé prendre sa femme, c'était la même chose. Dans Juge 14, 15 et 16, la même chose. Lisez ça à la maison. D'accord Donc le Seigneur est venu il y a 2000 ans. Il nous a fiancés. 2 Corinthiens 11, Paul dit quoi Il dit, je vous ai fiancés à un seul époux. Il n'a pas dit à trois dieux. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. À un seul époux. D'accord? Pour vous présenter à, à, à Christ comme une vierge pure. Voilà. Vous voyez? C'est terrible, hein? C'est terrible. Donc, frères et sœurs, nous sommes fiancés, non, à une église locale. Nous ne sommes pas fiancés à notre église locale, à TV de vie. Vous n'êtes pas fiancés, mes amis, à un prophète, à un apôtre, à un pasteur. Mais fiancé à Yehoshua, ne l'oubliez jamais. D'accord? Donc voilà pourquoi il vient chercher sa femme. Maintenant, pendant que nous attendons ce retour, que devrions-nous faire? Ben, nous sanctifions en permanence. Et c'est quoi la sanctification à votre avis? La sanctification, c'est aussi le fait de se débarrasser des choses. C'est les mondages. Vous voyez les branches là Pour porter plus de fruits, on enlève les parties pourries. Ben voilà, les séparations. Sanctification égale séparation. C'est-à-dire là, plus vous désirez le Seigneur, plus vous allez vous séparer de certaines choses, certaines habitudes, de certains amis. Ça, ça coûte cher. Ce qu'on est dans les sentiments parfois. Le maître a dit Je suis venu séparer. Cinq dans une maison seront divisés. Deux contre trois, trois contre deux. Et c'est ce que notre frère a vécu séparation. Parfois on ne veut pas se séparer, hein. on veut colmater, on veut hein, mettre un peu de la colle ici et là à cause des sentiments humains. Oh mais ça fait des années qu'on se connaît. Je, je l'aime bien, mon pasteur. On a fait l'école ensemble. Et le Seigneur vient avec l'épée. et Il s'épare. <laughs> aïe, aïe aïe, aïe, aïe. Oh, seigneur. Oh. Hi, hi, hi. Mm -hmm. Frères et sœurs, vous n'avez pas vu dans la Bible, Lot. on lui a dit quoi Quitte Sodome et Gomorre. Et en quittant cette ville, ne regarde pas derrière toi. cest ne regarde pas ta bête que tu as laissée derrière. À ton oncle qui est resté. Sauve-toi. Même pas sa femme, sa chérie. C'était une belle femme, certainement. Hein. Mais beauté ou pas, <laughs> la beauté du machia est au-dessus de toute beauté. Ah bah oui, frères et sœurs. Bah oui. Je ne vais pas pour tes beaux yeux. Hein. Ah oh non, ah oh non, non, non. c'est d'abord celui qui m'a sauvé. Hein. Hum. À minuit, on a crié, voici l'époux, allez à sa rencontre. Donc, c'est-à-dire que ces femmes qui au départ allaient à la rencontre du Seigneur, à cause de, des choses de ce monde, elles n'étaient plus dans cette vision. Elles n'allaient plus vers le Seigneur. Elles se sont endormies. Il y a eu l'apostasie. À minuit. Vous voyez C'est terrible. Donc, le coq est venu, n'est-ce pas, à l'heure du chant du coq pour réveiller l'église. Allez, debout Parce que le jour du Seigneur arrive. Le jour du machia arrive. Le jour de l'époux arrive. Alors, de quel jour parle-t-on ici, frères et sœurs Le Seigneur a créé le monde en combien de jours la, la création en six jours. Il n'a pas mis six jours, il a pris six jours. C'est différent. Il aurait pu créer tout en carrément dedans, d'un seul coup. Mais il a pris six jours. D'accord Ok. Donc le jour du Seigneur, c'est le Shabbat. C'est le septième jour. C'est le jour du repos, parce que pour l'instant nous ne sommes pas dans le repos. En esprit oui, mais on est encore parfois agité, notre chair nous fait souffrir parfois. Hein Donc il n'y a pas le repos total. Il faut se l'avouer. On souffre, l'enfant qui est malade par exemple, on va souffrir. Donc y a, on a ce problème dans un monde où il y a des troubles en permanence. Vous ne voyez pas qu'il n'y a pas le repos dans le monde Regardez, vous roulez ou vous êtes, euh, vous roulez. Vous voyez quelqu'un qui vient, qui vous dépasse. Yeah il vous dépasse avec son véhicule et arrivé devant vous, tac, il y a le feu. Et la personne s'arrête. Et vous vous dites tout ça pour ça. <laughs> qui a déjà vécu ça ben, Nous tous pratiquement. Hein. Et on se dit, mais, mais tout ça mais pour quelle raison Tout le monde est pressé. Regardez bien. Plein d'agitation. Oh, 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 oh. Vous allez vers où Dites-leur, dites-leur, est-ce que vous savez que vous allez en enfer comme ça Si vous saviez où vous alliez, vous ne courriez pas comme ça. Vous n'allez pas courir comme ça. Non Plein d'agitation. On est agité en permanence. Métro, boulot, dodo. C'est de l'agitation. Tout va vite. Une poule qui pond un œuf un œuf, un œuf pardon, une poule qui pond un œuf, l'œuf en question va éclore, et puis au bout de trois mois, ça devient déjà, mes amis, une poule, parce qu'il y a des piqûres, tout ça, des hormones, et, et, et tu vois, tout va vite. Il y a le prêt à porter, le McDrive, tout va vite. Micro-ondes, on n'a plus le temps de s'asseoir, d'apprécier la vie, les choses. Tu vois, c'est tout, tout, tout va vite, tout va vite. C'est de l'agitation. Je souviens les informations là tout à l'heure. Dès la semaine prochaine, en Angleterre, il commence déjà la vaccination. Ah oui, tout va vite. Pourquoi L'agitation. Trop d'agitation. Nos nuits sont agitées. Soyons sincères. On se réveille parfois comme ça on sursaut. On va prier, on fait les démons. On est agité. On regarde les informations, l'agitation. On entend aux Antilles oh, l'ouragan est tel, tout ça. Agitation. Tout le temps. Et là, mes amis, voilà pourquoi le, le jour du Seigneur, c'est le septième jour. Nous sommes présentement dans le sixième jour, l'âge de la grâce de l'Église. D'accord Voilà. Ne l'oubliez jamais. Je ne veux pas parler ce soir de, 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 différentes, euh, euh, de différents temps ou âges ou dispensations dont parlent les Écritures. Mais sachez simplement que nous sommes dans l'âge où la dispensation de la grâce. D'accord? Voilà. Donc quand on entend âge, âge c'est dispensation. Ou encore euh, temps. D'accord Voilà. Ne l'oubliez jamais, parce que là, on va développer sur le jour du Seigneur, hein, particulièrement. Alors rapidement pour que vous ayez une idée à peu près de différents âges. Alors vous avez, et euh, le premier âge, c'est l'âge de l'innocence. D'accord? L'âge de l'innocence. Avant la chute d'Adam. D'accord? Adam était innocent. Voilà. L'âge de l'innocence. Avant sa chute, il était parfait. Sa femme était parfaite. Ils étaient dans l'éternité. Il n'était pas éternel, seul Adonai, notre créateur, est éternel. Mais Adam et Ève avaient la vie éternelle. D'accord Ils étaient appelés à vivre éternellement. D'accord Maintenant, donc ça c'est le premier âge. Donc âge ou temps. D'accord Voilà. Dispensation. Et euh, ils tombent dans le péché. Et là, nous avons le deuxième âge, l'âge de la responsabilité morale l'âge de la responsabilité morale ou encore l'âge, n'est-ce pas, euh, du début du règne du péché. D'accord L'âge du début du règne du péché ou de la responsabilité morale. L'homme a été, bien sûr, euh, et comment dire, l'homme a été condamné, maudit et euh, mis face à ses euh, responsabilités. Et, euh, et parce qu'il était responsable de ses actes, de l'acte qu'il a posé, donc le fait de manger, d'avoir mangé ce fruit, eh bien, le Seigneur l'a condamné, l'a jugé. D'accord Voilà. Et c'est là que le temps euh, où le, le, le règne du péché a débuté, où le règne de la mort. Troisième âge. C'est l'âge du gouvernement humain. D'accord Ça a commencé, par exemple, dans, avec Genèse, dans Genèse 10. Là, on parle de Nimrod. Hein Nimrod, Nimrod. Et euh, Genèse 10, Genèse 11 avec la tour de Babel. D'accord Là, dans Genèse, Genèse 10, Genèse 11, nous voyons pour la première fois, et euh, comment dire, euh, dans Genèse 10 notamment, à partir du verset 6. On voit pour la première fois dans l'histoire biblique et euh, euh, le, 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 le règne des hommes. On nous parle de Babylone. D'accord Voilà. De Babylone. Ou encore, le troisième âge, c'est aussi l'âge de, de Babylone. Voilà. D'accord Du règne de Babylone. Et là, on nous parle de Babylone. On nous parle de Némerode qui était un Éthiopien, un Africain. D'accord Pour votre information. Donc le premier empereur de l'histoire de l'humanité, c'était un noir, un Éthiopien, Némerode, dont le nom signifie rebelle. Voilà, couche. Il était Éthiopien. Et vous le voyez dans Genèse 10. D'accord Voilà. Donc ça, c'est l'âge du gouvernement humain. Là, on voit pour la première fois euh, un empire. Parce qu'on nous parle de cet homme qui régnait hein, pour la première fois euh, à Babel. On nous dit que le commencement de son règne fut Babel. D'accord Babel, Babylone. Voilà, confusion par le mélange. Donc là, on voit que les gens sont mélangés, unis pour mettre en place un gouvernement mondial. Ça, c'est le troisième âge. Vous comprenez la parole Alléluia, gloire au Seigneur Il faut se situer dans le temps. Voilà. Et là, et le quatrième âge, c'est l'âge de la promesse, quand, dans Genèse 15, le Seigneur va promettre à Abraham, le père de la foi, une, une postérité. Hein, il lui a dit, regarde la terre, si tu peux compter le sable de la terre, telle sera ta postérité. Lève tes yeux au ciel, si tu peux compter les étoiles, telle sera ta postérité. Donc, là, c'est l'âge de la promesse. Et Paul le dit, hein, la promesse a été faite à Abraham pour sa propre, une seule postérité et non plusieurs postérités, c'est-à-dire Yeshua, Jésus-Christ, la postérité d'Abraham. D'accord Voilà, vous comprenez un peu la chose Jusqu'à présent, c'est clair. Voilà. Donc l'âge de la promesse. Voilà. Donc je dis bien dans Galate, Galate là-bas 4 notamment. Paul dit la promesse a été faite à Abraham par rapport à la postérité. Parce que Abraham voulait une postérité, voulait un, un héritier. Vous comprenez parce qu'il était euh, sa femme était stérile. Voilà. Et le Seigneur lui a donné une postérité, c'est-à-dire euh, le machia. On sait que c'est il y avait Isaac, c'est vrai, Isaac. Mais plus tard, prophétiquement, il était question du machia. Voilà. L'âge de la promesse. Ensuite. Le cinquième âge, c'est l'âge de la loi qui a débuté dans Exode 19. Ce soir, l'enseignement euh, n'est pas basé sur les différents âges des Écritures, mais sur le retour du Mashiach, hein, notamment le jour du Seigneur. Mais comme le jour du Seigneur, c'est le Shabbat, le septième âge, voilà pourquoi nous voulons, j'ai voulu. Euh, et euh, rapidement, vous parlez de différents, euh, différentes sortes d'âges ou de dispensations. Donc, cinquième âge, l'âge de la Torah, de la loi, de la première alliance qui a débuté euh, dans, euh, comment dire, avec les enfants d'Israël, dans Exode 19, lorsque Mo Moshe fut convoqué par le Seigneur sur le mont Sinaï. Il va rester là-dessus, là là-dedans, euh, sur cette montagne pendant 40 jours et 40 nuits, sans manger, sans boire. Et le Seigneur, avec son propre doigt, va, n'est-ce pas, graver sur le, les deux tablettes les dix paroles, comme vous le savez. Donc, le premier écrivain de la parole de la Bible, c'est Elohim lui-même. C'est magnifique, il est le premier en tout. Hein. Voilà pourquoi il faut le kiffer. Hein. Il faut l'adorer. Moi, je le kiffe. Hein. Enfin, j'essaie de le kiffer, quoi. Voilà. D'accord Parce que. On est, encore, on est encore loin d'avoir accompli quoi que ce soit. Voilà, merci Seigneur. Hein. Alors, et euh, vous comprenez la chose maintenant, c'est bon Ok. Donc, l'âge de la loi. Donc, voilà. Et, euh, et l'âge de la loi, pour votre information, une question. Quand est-ce que l'âge de la loi a pris fin À quel moment À la croix. Très bien. À la croix. Quand il a dit tout est à. Quand le rideau du temple a été déchiré de haut en, en bas. D'accord donc, donc, si l'âge de la loi, mosaïque, tout ce qui est sacrifice humain, euh, d'animaux, tout ça, tout ça, ça a pris fin. Donc ça veut dire que les évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean font partie aussi, n'est-ce pas, de, de la loi. Oula, qu'est-ce qu'il nous raconte ce monsieur-là Qu'est-ce qu'il nous raconte là Ça vous choque ça fait partie de la période de la loi. Je prends un exemple. Oula, c'est compliqué tout ça là. Il y a des pasteurs qui vous disent, oui, mais vous dites que la dîme, c'est la loi. Pourtant, dans Matthieu 23, 23, le Seigneur, Jésus a dit aux pharisiens qu'il fallait payer la dîme. Mais ils ne savent pas que de la naissance de Yahushua à la croix, tout ça c'était la loi. Par exemple, quand le Seigneur a guéri les dix lépreux, il leur a dit quoi d'aller offrir le, le sacrifice mosaïque, non Parce que quand un lépreux était guéri, il fallait, selon la loi de Moïse, offrir des animaux. Aller au temple avec ces animaux, des colombes, tout ça, des tourterelles, hein, euh, en fonction de ses moyens, hein, hein, de leurs moyens, il fallait amener ces animaux au temple et le prêtre devait, les prêtres de l'époque devait faire un sacrifice et confirmer que le lépreux était bel et bien déclaré pur. Et qu'il pouvait réintégrer la communauté. Vous comprenez la chose? Donc quand le Seigneur a guéri les lépreux, les dix lépreux, il leur a dit d'aller offrir des animaux. Voilà. Est-ce qu'après la croix, on le fait encore aujourd'hui? Donc vous voyez bien que tous, la, 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 en fait, de, la, de la naissance de Yeshua jusqu'à la croix, c'était la période de la loi toujours. D'accord? Voilà. Voilà pourquoi le Seigneur disait, vous avez appris, mais moi je vous dis. Vous avez appris, mais moi je vous dis. Par exemple, le Seigneur a été circoncis, vrai ou faux? Est-ce qu'aujourd'hui on, on oblige encore les gens à être circoncis? Non, c'est fini ça. Donc, dès le, dès, le moment, dès le moment où le Seigneur, dès le moment où il a dit tout est accompli, c'est fini, la loi était finie. Donc les sacrifices d'animaux finis. Les lépreux qui étaient purifiés n'avaient plus besoin d'aller voir les, les prêtres. Fini. Vous comprenez un peu? Donc l'âge de la loi a pris fin à la croix. Voilà, voilà pourquoi on bénit le Seigneur pour la croix. Donc maintenant, dans la plupart de vos Bibles, vous allez voir que si vous ouvrez la première page de l'évangile de Matthieu, ils vous mettent Nouveau Testament. C'est faux. Déjà, il n'y a pas de Nouveau Testament, ça n'existait pas. Oh là, c'est trop tout ça, non Hein Ça te choque un peu, hein Très bien. La vérité choque. Quand le Seigneur enseignait, les gens étaient choqués. Ok. Bon, on va... Ouh, Seigneur vous savez, je vais vous dire une chose. Les premiers croyants, les premiers chrétiens, on le voit dans Acte 20, hein, ils restaient parfois toute la nuit dans les enseignements. Et ça, ça, ça nous manque. Nous, on est prêts, hein c'est vous. Parce qu'on doit creuser dans la parole. Alléluia. Je sais que beaucoup sont prêts aussi parmi vous, plus, plus, plus que nous. Regardez mes amis. Qu'est-ce qu'un testament Tu peux prendre Romains, chapitre 1, Hébreux 9, 15. Là, c'est une parenthèse que nous ouvrons. Hein nous parlons toujours du retour du Seigneur, ne vous inquiétez pas. Nous ne sommes pas égarés. <laughs> vous allez prendre, prenez une autre version pour ne pas dire ah, oh, c'est la version qu'ils ont traduite ou tout ça. Hébreu 9, 15. Qui peut nous lire cette parole-là Le micro. Qui a le micro Ah, tu l'as repris. Ah, tu peux lire. Hébreu hein 9, 6. C'est Hébreu 9, 6. Hébreu 9, combien 16. Alors. 15 et 16. Ok. Hébreu 9, 6. Et c'est pour cela qu'il est médiateur d'une alliance nouvelle, afin que sa mort étant venue pour la rédemption des transgressions de la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent la promesse de l'héritage éternel. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort de celui qui a fait le testament survienne. Je le, dis, le verset 17. 17. Car un testament n'est ferme qu'en cas de mort puisqu'il n'a aucune force tant que celui qui a fait le testament est en vie. Ah, pour qu'un testament soit validé, il faut que celui qui a fait le testament, le testateur, meure. On est d'accord, non Ben oui. Quand est-ce que nous devenons les héritiers véritablement de nos parents Il faut qu'ils sont morts, non Après leur mort, on est d'accord. Voilà. Est-ce que vous comprenez ça ou pas <laughs> T'as compris ou c'est difficile encore en fait, en... après... C'est normal, regarde. Et euh, quand un, un, un papa, un parent, un homme qui a des enfants, fait un testament, voilà ça, euh, j'ai trois maisons, et mes trois maisons reviennent à ma fille euh, aînée. Juste un exemple. Mais pour que sa fille aînée, euh, cette fille, cette femme, devienne l'héritier officiellement, il faut que son papa meure. C'est ce qui est écrit en fait. Et c'est partout, c'est comme ça. Même dans la loi des hommes. N'est-ce pas Voilà. Quand le papa décède, et là maintenant, on va trouver le testament en disant, non, non, voilà, le testament est validé parce que de son vivant, le papa peut changer son testament. Mais s'il meurt, plus personne ne peut le changer. On est d'accord OK. Maintenant, s'il si y a un nouveau testament, c'est qu'il y a un ancien testament. Maintenant... L'Ancien Testament, qui est le testateur, qui est mort pour nous, qui est mort pour qu'il qu y ait un Ancien Testament Donc Jésus est mort pour la nouvelle alliance, mais pas pour l'Ancien Testament. Donc il n'y a pas d'Ancien Testament. Il y a l'Ancienne Alliance et la nouvelle Alliance. Et la nouvelle Alliance est à la fois, nouvelle, est à la fois alliance et testament. Parce qu'une alliance n'est pas toujours un testament. Une alliance est un accord entre deux ou plusieurs personnes, d'accord Voilà, comme le mariage. C'est une alliance, mais tu dans un mariage, pas, tu peux ne pas avoir un, un, un héritage. Mais quand il y a testament, il y a forcément un héritage. Oui, une nouvelle alliance, oui. Mais cette nouvelle alliance est à la fois un testament parce que le Seigneur est mort. D'accord Voilà. Mais l'alliance la, la, de Moïse, la première alliance, n'est pas un testament. Tu as tout compris. En fait, ça c'est encore un autre enseignement. Si vous n'êtes pas fatigué, je peux vous faire cet enseignement demain. C'est vous qui voyez, hein nous, il n'y a pas de problème. Et il y a encore, pour les frères et sœurs qui nous écoutent chez eux, il y a encore quelques places là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On peut encore prendre 12 élèves demain. Voilà, ou 13 élè élèves. <laughs> Attends, on va, vous, on va vous passer le micro. Est-ce que vous voulez que je termine rapidement l'enseignement Comme ça, je vous explique ce que c'est le testament vite fait. OK. Comme ça, vous allez avoir le package et puis c'est à vous de vous débrouiller avec euh, ces choses-là. D'accord Donc, vous avez vu qu'il y a sept âges, il y a sept âges, sept dispensations. La première, c'est celle de l'innocence avant la chute de l'homme. La deuxième, c'est après la chute de l'homme. C'est celle de la responsabilité morale, d'accord Ou du début du règne du péché, d'accord De la mort de Satan, de démon. Troisième âge, l'âge, n'est-ce pas, du. Gouvernement humain, d'accord, c'est ça, non Avec euh, Babylone, avec Némeraude, donc Genèse 10, Genèse 11. Et puis quatrième âge, l'âge de la promesse, avec euh, Abraham, euh, dans Genèse 15, le Seigneur lui a promis une postérité, d'accord C'était la promesse qu'il lui a faite, donc le Mashiach, c'est lui la postérité. Cinquième âge, l'âge de la loi mosaïque, qui a débuté avec Moshe, avec les enfants d'Israël, dont le signe était, n'est-ce pas, le Shabbat et aussi la circoncision, mais plus le Shabbat. D'accord Voilà. Et euh, ça, on en parlera. Donc le Shabbat et la circoncision. Et le sixième âge, c'est l'âge de la grâce de l'Église, qui a débuté à quel moment À la croix. D'accord Quand le Seigneur a mis fin à la, à, la, à la loi. Et cet âge, cet âge de la nouvelle alliance a, mes amis, comment dire, officiellement, Commencé lorsque le Saint-Esprit est descendu, quand l'Église est née, dans acte 2. Vous comprenez Voilà. Amen. Donc, le sixième âge. Donc, nous sommes dans le sixième âge. Qui croit que l'Église est l'épouse de Yehoshua Ok. Qui croit que Yehoshua est le second Adam Le deuxième Adam Comme c'est écrit 1 Corinthiens 15. Ouais, c'est écrit. Tu ne savais pas ah ben, il y a beaucoup d'enseignements que vous allez découvrir. Donc, Yeshua est le second Adam. Lisez ça, là, 1 Corinthiens 15 à la maison. Tout le chapitre. Vous allez apprendre beaucoup de choses là-dedans. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça, c'est simple. 1 Corinthiens 15. Donnez-moi le jour où, le jour, euh, euh, quel est le jour où le Seigneur a créé l'homme et la femme? C'est quel jour? Premier jour, deuxième jour? Non. Sixième jour. Voilà, l'homme et la femme ont été créés le sixième jour, et l'Église a été fondée, bâtie. À quel à quelle époque, à quel âge Voilà, au sixième âge. Vous comprenez un peu Donc il y, a, il y a rien, il n'y a pas de hasard. Vous comprenez la révélation, l'illumination ici Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, frères et sœurs Alléluia, gloire au Seigneur Alléluia Waouh, Seigneur Donc Adam et Ève ont été créés le sixième jour. Et l'église, qui est, n'est-ce pas, la nouvelle Ève, la nouvelle Kava, d'accord, a été créée, fondée pendant le sixième âge. Voilà. Or, six est le chiffre de l'homme. Vous comprenez Voilà pourquoi Elohim est devenu homme. Alléluia. Pour créer l'homme nouveau que nous sommes. Alléluia, gloire au Seigneur. En fait que le vieil homme soit écrasé. Vous comprenez maintenant la chose. Magnifique Saint Esprit. Alléluia. Gloire au Seigneur. Qui apprend des choses de nouvelles ici, mes amis? C'est magnifique la parole du Seigneur, frères et sœurs. Nous devons grandir dans de la parole. Voyez. Maintenant, qui a dit qu'il est, qu'il était ou qu'il est toujours? Parce qu'il est toujours, il est. Qui a dit qu'il est le maître du Shabbat? Qui a dit que le Fils de l'homme est le maître du Shabbat? Ah. La femme samaritaine avait rencontré combien, avait été mariée combien de fois? Avec elle avait connu cinq maris et le sixième n'était pas son mari. Et maintenant elle a rencontré le septième mari. C'est qui? Et qui est le sept? Yeshua. Alléluia. Voilà pourquoi le jour du Seigneur, c'est le Shabbat. C'est Yehoshua. Vous comprenez Ou c'est pas encore bien clair là C'est clair non Donc, qui se rend compte que la parole est profonde Oh, c'est glorieux. Hein ah, on se régale mes amis là. Ah oui, 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 oui. Ah oui, oui. Yehoshua est resté sur la croix combien, 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 combien de temps Six heures pour réparer les six jours de la création. Pour réparer l'homme, qui est le sixième jour, le 6. Voilà pourquoi il y a 666, c'est-à-dire la triple rébellion de l'homme contre le Créateur. Ben bah oui, vous comprenez? Voilà pourquoi il y c'est le 7, le Shabbat. Voilà pourquoi vous avez 7 trompettes, 7 sauts, 7 fêtes de Yahweh. C'est sept fêtes de Yahweh, c'est-à-dire la Pâque, c'est Yéhoshua. D'accord? La Pâque, c'est Yéhoshua. Vous comprenez? L'agneau pascal. La fête de pince de, de en Levain, Yehoshua, parce qu'il est pur. La fête, mes amis, de la pentecôte, c'est Yehoshua, sous la forme de la Torah de l'esprit. La fête des prémices, la résurrection, c'est Yehoshua, parce qu'il a dit qu'il y a la résurrection. La fête de, de Yom Kippour, le grand pardon, qui vous a pardonné Yehoshua. C'est Yehoshua. La fête de tabernacle, c'est le royaume. Qui est le roi Yehoshua Vous comprenez alléluia! Hallelujah. Donc le jour du Seigneur, c'est le, le Shabbat. C'est notre repos. L'auteur de l'épître aux Hébreux dit quoi? Empressez-vous d'entrer dans son repos. Aïe 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 aïe. Qui a déjà lu ça? Car si Josué vous avait donné, leur avait donné le repos, Elohim ne parlerait pas d'un autre jour de repos. Ah. Hallelujah. Donc le jour du Mashiach, c'est le jour où il n'y aura plus ni homme ni femme. Parce qu'à cause de ça, il y a des problèmes. Il y a des femmes qui sont battues par leur mari parce qu'elles sont femmes. Mais pendant ce jour-là, il n'y aura ni juif ni grec. Le racisme est banni. Ni homme ni femme. Fini. On n'aura plus de sexe. On sera comme des anges. Donc, toutes les choses qui nous enlèvent la paix, là, le Seigneur va le retirer. Le retirer pour qu'on ait le repos, frères et sœurs. Alléluia. Oh Père de gloire. Vous comprenez, mes amis, là Oh, alléluia Le repos. Il a dit quoi dans Matthieu 11 Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai quoi du repos. Ben, c'est ça, le Shabbat. Regardez. Il est autre notre bien-aimé, guérissait plus le jour du Shabbat que d'autres jours. Vous n'avez jamais remarqué ça Ben oui Parce que c'est le repos les prêtres disaient, non, il y a un autre jour pour guérir. Venez ce jour-là. Ils disaient, hypocrite, si votre brebis tombe dans un trou, vous n'allez pas la retirer de là le jour du Shabbat Eh bien, il vous a dire que nous sommes ces brebis. Nous sommes tombés dans des trous. Maintenant, le septième jour arrive. Le Shabbat arrive pour nous, frères et sœurs. Voilà ce qu'il faut dire aux gens de ce monde. Le septième âge arrive, frères et sœurs. Alléluia, le Shabbat. Et le Shabbat va durer sur terre pendant combien de temps Mille ans. Hein 1000 ans, mille ans sont comme un jour, un jour sont comme un mille ans. Mille ans. Pourquoi mille ans 1000 ans pour le Seigneur c'est un jour. Est-ce que vous savez que Adam, le premier homme, n'a pas vécu un jour Qui ne savait pas ça Mille ans pour le Seigneur est comme mille ans sont comme un jour et un jour est comme mille ans. C'est ça non Voilà. Vous comprenez Donc Adam a vécu combien d'années 930 ans. Et il lui manquait combien d'années pour faire mille ans 70 ans. Donc, il n'a pas vécu un jour. Hallelujah Vous avez compris ou pas là Hallelujah Regardez. Le Seigneur compte les jours. Ce n'est pas comme nous. Pour le Seigneur, un jour, c'est mille ans. Mille ans, c'est comme. Hein, pour 1000 ans, pour nous, c'est mille ans. Mais pour le Seigneur, c'est un jour. Or... Les aucun humain ne vit un jour pour le Seigneur. Selon le Seigneur, aucun humain ne peut vivre un jour. Adam a vécu 930 ans. Il lui restait 70 ans pour faire un jour. 1000 ans. Il est mort. Mais Touché, l'homme le plus âgé de la terre, a vécu 970 euh, ans. Non, 70 ans, je crois. Et il lui restait 30 ans seulement pour faire un jour. Mais il n'a pas réussi. Il est mort. Maintenant, Elohim est devenu homme. Pourquoi Parce qu'à partir de un jour, mille ans, c'est le début de l'éternité. Vous comprenez la chose Voilà pourquoi notre Maître est devenu homme. Maintenant, il est venu nous sortir de ce temps fini qui nous comprime, qui nous empêche de faire plus d'un jour. Voilà pourquoi il va venir pendant le septième âge, pour établir le septième âge, le Shabbat, afin d'amener l'humanité au-delà de un jour, donc mille ans. Voilà pourquoi la parole nous dit que dans, après ce vin, il va régner avec nous. Nous allons régner avec lui pendant mille ans. Et après mille ans, c'est le huitième jour. Le huitième jour, c'est quoi Aïe, 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 aïe. les enfants étaient circoncis quand chez les hébreux c'est encore le cas huit jours après là, la naissance vrai ou faux donc huit jours après la naissance on enlève le prépuce vrai ou faux et on jette ça donc huit jours après donc après mille ans sur terre avec le seigneur il va enlever le prépuce c'est-à-dire la terre qui sera roulé comme un livre et le ciel, qui va, plutôt le ciel et la terre sera détruite. Donc c'est le prépuce qui va être, ça va être retiré. Vous comprenez Et là on va rentrer dans la nouvelle Jérusalem, c'est l'éternité et là c'est fini. Question <laughs> On est un peu bousculé hein Qui, 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 qui se rend compte que la parole est magnifique, merveilleuse, mes amis? C'est beau. C'est beau. Donc, la parole nous dit maintenant le jour du Seigneur. Lisez à la maison Sophonie 1, Zacharie 14, tout ça. On nous dit que le jour du Seigneur, même Joël 3, hein, Joël 1, 2, 3. On nous dit que le jour du Seigneur sera un jour ténébreux, un jour d'angoisse. Hein, pour les gens du monde, hein, voilà. Pour nous, c'est le repos, parce que c'est le septième jour. Mais pour les gens du monde, ouf! Après l'enlèvement, parce que le septième jour va commencer comme ça, pour nous, il va y avoir des disparitions massives, ce qu'on appelle l'enlèvement de l'Église. Le septième ange va faire retentir la septième trompette et des chrétiens authentiques vont disparaître. Tac, 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 au même moment. Et tous ceux qui sont morts en Yéhoshua vont être ressuscités, selon 1 Thessaloniciens 4. Et on va tous aller à la rencontre du Seigneur. Aïe 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 aïe. Pendant qu'on va monter, je veux regarder à ma gauche, à ma droite. Pour voir qui monte avec nous. Hey <laughs> Alléluia. Ouh, je regarde regarder à ma droite. Ah, oh, mon frère, Yann est là. Ça en fait. Frère moi. Hein? Eh Alléluia. Ouh Seigneur, magnifique Seigneur. Et on va se retrouver avec des robes toutes, mes amis, blanches. Vous vous dire, mais ça vient d'où tout ça là? Il n'y aura plus de petits grands. Nous autres petits là, mais c'est fini. Taille unique. <laughs> Alléluia. Alléluia, Alléluia Ouh magnifique Seigneur. On n'aura plus besoin de sycomore pour grimper, pour voir le Seigneur, comme Zaché. Hmm Frères et sœurs, ah, oui. Et on, va se on va se reconnaître, oui, bien sûr. Bien sûr, on va se reconnaître. Alléluia. Alléluia, gloire au Seigneur. Frères et sœurs, oh, ça va être magnifique. Et arriver là-haut, au ciel, tout de suite après. Nous passons par le tribunal du Mashiach. Non pour être condamné, hein, non. Pour recevoir des couronnes ou pas. Ah oui. Ça va dire Ah ma fille, ah mon fils, Janice, c'est ça, non, Janice Yanis tu as vécu dans la souffrance tu, tu n'as pas baissé les bras tu n'as pas voulu toucher ta femme jusqu'au mariage hein, mais vraiment quand tu as, tu as compris ça tu as arrêté et tu t'es sanctifié tu as prêché ma parole, tout ça et beaucoup d'âmes étaient gagnées par mon esprit qui se servait de toi voilà ta couronne et là tu es à genoux, tu baisses ta tête et là, tac, lui-même, hein, le maître hein, pose sous ta tête une couronne énorme avec des pierres qui n'existent pas sous terre Oh non, ça va être terrible, frères et sœurs. Ça va être glorieux. Donc là, on va sortir de là. La... Alléluia. Alléluia. Oh, ça va être magnifique, frères et sœurs. Moi, j'attends mes couronnes. Je vous dis, on en aura beaucoup. Hein. Oh Seigneur. Magnifique. Et on sort du tribunal, là, maintenant. Ça va être tout de suite les noces. Le mariage. La teuf. Hein est-ce que vous savez que notre Père aime, aime les fêtes Je vous dis, il y avait cette fête, hein ça dansait. Attends, attends, attends. Les anges là vous croyez sur la tristesse au ciel Ça bouge au ciel. Hein ça bouge. Il y a des anges, quand ils ouvrent leurs ailes, leur, leur ça chante. Oh, Alléluia. Les arbres chantent. Au ciel, c'est la fête en permanence, frère. Vous croyez quoi On va faire du dauphin au ciel on va faire de l'aigle. Moi, je vais sur l'aigle royal. Là, tout. On va voir toutes les Ah, oh, Frère, ça va être magnifique. Vous savez que l'éternité n'est pas suffisante pour visiter tout ce que le, le Père a créé. Ah ben, je vous assure. Je vous assure. Hum glorieux. Là, ça va être la fête. Maintenant, on a. Il y a une table, une grande table là-haut, et il y a des places pour chaque, Chacun de nous. Chacun de nous a une chaise avec son nom dessus. Voyez. Et les anges vont être là pour nous servir. Parce que nous sommes, nous, sommes, nous sommes des rois. Le Père a fait de nous des rois, des prêtres. Frère, on va, on va boire du vin nouveau. Moi, j'attends mon, mon verre, là. Ça être, et on va avoir des coupes. Hé, Michael, encore un peu de vin ici. Là. Ça va être du vaut servi. Aïe aïe, 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 aïe. Oh, Seigneur, ça va être magnifique. Et on va voir les anges avec, avec, les, avec tout ce qui est guitare, sitar. Tout ça, harpe, et ça va louer, on va chanter, louer le mariage de l'agneau avec l'épouse, tout ça. Louons le Seigneur et tout. La fête, la fête, la fête, la fête, la On va voir tous les anges, tout ça. Tout le monde, on va... Oh, ça va être la fête. La fête, la fête, la fête, la fête. Alors sur terre, ici, c'est la galère. Nous, là-haut, c'est le, le repos, le Shabbat. Ici, c'est l'agitation plus plus. La marque de la bête à fond, le règne de l'Antichrist à fond, les sept coupes de la colère du Seigneur à fond, hein la troisième guerre mondiale, l'Armageddon à fond. Persécution de ceux qui vont se convertir parce qu'ils ont des conversions à hein Yeshua. Ils vont être persécutés, tués, égorgés comme pas possible. Ah oui. Mais nous là-haut, la fête. Et Israël sera persécuté bien comme il faut, les Juifs seront persécutés bien comme il faut. Et ensuite, trois ans après la fête, hein? On va dire sept ans après, parce que ça va durer sept ans de fête. Pour votre information, sept années de fête. Parce que les fêtes chez les Hébreux, diraient, les, les noces duraient sept jours. Ah oui. Sept ans de danse, d'adoration, de joie, d ali, d ali, de, 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 de nourriture succulente, de boisson, du vin nouveau. Aïe, 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 aïe. Oh, mais ça va être glorieux. Après sept ans-là. La terre va être tellement persécutée par les démons, par l'antichrist, que le Seigneur dira, maintenant on va descendre. Frères et sœurs. Hein? Sur pour le 19. Là maintenant, là les armées, pas une seule armée, hein les armées célestes seront sur des chevaux. Le Seigneur devant. L'église derrière. Hein des chevaux tout blancs. Frères et sœurs. Ouais mon, che mon cheval là-bas, le, le, les vôtres sont là-bas. Je vous assure. Oh, vous croyez quoi? Frère, on va descendre. On va descendre. Tout œil le verra. On va descendre, on va galoper. Hey <laughs> frère, moi je me vois sur mon cheval, je vous assure. Hein, en train de louer le Seigneur bien comme il faut. On va louer, on va chanter. Il y aura les archanges, mes amis. Là. Ça va être glorieux. Merci, frère, mon frère Serge. Frère, c'est là que la parole qui dit que mille tombent à ta gauche, dix mille à ta droite, tu ne seras pas ah bah oui, c'est là que la parole qui dit toute arme forgée contre toi sera sans voilà Isaïe 54. Là ils vont l'Antichrist avec les armées de ce monde vont braquer leurs pistoles leurs armes sur nous, ils vont tirer, ça va ricocher, ça va ricocher, le jour du machia. le jour du machia. Nous avons vécu le Shabbat au ciel après l'enlèvement et maintenant le Shabbat sera établi sur terre pendant mille ans, mille ans, un jour, mille ans. Vous voyez? On va tirer pa, 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 rien. On va descendre, on va descendre, on va descendre. Et le Seigneur va poser ses pieds sur le mont des oliviers. Zacharie 14. Waouh, Pam Frère Il prend l'antichrist, il prend la bête, l'antichrist, hein les deux bêtes faux prophètes et l'antichrist, et tous les démons. Allez, pff, frères et sœurs, dans les temps de feu, Satan enfermé pendant mille ans en prison, après ce 20. Vous comprenez Et ensuite, il va rassembler les, euh, toute la terre. Il va séparer les brebis des boucs. Et maintenant, l'Église, selon 1.45.6, toi et moi, nous allons juger maintenant les rois de ce monde. Moi, je sais déjà quels sont les présidents que je vais pouvoir juger. Ça, c'est ma prière. Oui, parce que le Seigneur a dit, demandez et vous recevrez. Ben oui, bien sûr. Je dis, Seigneur, ce président-là, réserve-le-moi. Hein? Celui-là, il a fait souffrir mes frères algériens. Cela c'est pour moi. Hein Celui-là, il a fait souffrir mes frères marocains. C'est pour moi, Seigneur, s'il te plaît. Celui-là, là. on va juger. Bon, monsieur le président, oui. Vous avez mal géré votre nation. Vous avez assassiné. Vous avez égorgé. Vous avez pris des femmes d'autrui. Pourquoi Fini. Allez, étant le feu. Fini. La terre va s'ouvrir. Pas que ça rentre. On va juger les anges. Après les anges. Euh, la, la, le premier démon que je veux convoquer, parce que le diable, là, ça va être. Euh, hein <laughs> C'est la sirène des eaux. Toi, tu as fait tomber tous les hommes. Presque. Hein le péché sexuel, toi. On a souffert à cause de toi. Pourquoi tu as quitté le ciel pour suivre le diable hum <laughs> Frère. Après ce jugement des nations là, Israël va juger. Les douze apôtres vont juger Israël. Et ça va se passer dans la vallée de Josaphat, selon Joël III, le jugement des nations. Après ce jugement, celui d'Israël et des nations, Joël III, Maintenant, le Seigneur va débarrasser la terre de tous les impies, et puis ça va être le Shabbat sur terre pendant mille ans. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, rappelle-moi ton prénom, frère. Alexandra. Allez, hein A. Alexandra. Alexandra. Alors, le Seigneur va dire Alexandra, mon fils. Eh ben, toi, tu as été fidèle. Ben, je te confie la gestion de la France. Ça va être comme ça, hein parce que le Seigneur dit qu'on va, on va diriger les nations. Ben oui. Donc, maintenant, oui, Yann, oui, tu as servi mon royaume, tu m'as servi. Ben je te donne la gestion de la Martinique. <laughs> je vous assure, ça va être terrible, mes amis. Là. Et chaque année, on va monter à Jérusalem pour adorer le roi. Après, on va revenir chacun dans son pays pour gérer son pays, sa, sa ville. Donc en fonction de notre euh, euh, comment dire, amour pour le Seigneur, de notre service, de notre fidélité, on va gérer des pays plus ou moins grands. Vous voyez? Donc c'est comme ça que ça va se passer. Pendant mille ans, en de notre fidélité. Vous vous rendez compte? Mille ans de paix. La terre sera de nouveau comme un paradis. Plus aucune maladie. Fini. Plus la mort. Plus aucune pensée impure, c'est fini. La paix universelle sur la terre, le jour du Mashiach. C'est la restauration d'Israël que les Juifs attendaient. Et Jérusalem sera de nouveau la capitale du monde, le nombril de la terre. Et tout Israël sera restauré. Et. Les Arabes convertis à Yeshua seront restaurés, les Noirs restaurés, les Métis restaurés, les Indiens, les Chinois restaurés, et on sera un seul peuple. voyez, un seul peuple. Et après ce millénium, il n'y aura plus de race. Parce que pendant le millénium, il y aura encore des races. Nous, membres de l'Église, on n'aura plus de race. On sera tous pareils. Il y aura des gens qui vont être plus, euh, plus illuminés que d'autres, qui vont euh, briller plus que d'autres. Selon Corinthiens 15. C'est vrai, parmi les membres de l'Église. Et euh, mais parmi les, les gens qui vont rentrer dans ce royaume, à part l'Église, il y aura aussi Israël, qui vont rentrer vers leurs corps no, no, normaux. D'accord Parce qu'ils n'auront connu ni l'enlèvement de l'Église ni la résurrection. Mais nous qui, qui, qui aurons euh, connu l'enlèvement de l'Église et la résurrection, ben on aura des corps glorifi, glorieux, glorifiés. D'accord Voilà. Et euh, on va rentrer dans ce royaume comme ça. Et après ce royaume, le Seigneur va... Tout changer, on va être dans la nouvelle Jérusalem pour l'éternité. Et là, il n'y aura plus de race. C'est le huitième âge. C'est le renouvellement de toutes choses. Et là, frères et sœurs, vous imaginez, on ne mourra plus. Est-ce que vous vous rendez compte? On va traverser. Les, quatre, les 24 vieillards chaque fois. Bonjour, bonjour. Ensuite les, les quatre êtres vivants. Hein? Bonjour, bonjour. Il y, y a 24 vieillards autour du trône. Et sachez que leurs trônes ne sont pas au même niveau que le trône du Père. Hein? Le trône du Père est au-dessus. Il y a des marches. Et les 24 trônes, c'est en bas. Ah bah oui. Et nous, on va, on va les traverser. Bonjour, bonjour. Ensuite, les quatre êtres vivants. Bonjour, bonjour. Et on va arriver. Et on va grimper, on va marcher parce que c'est notre père. On va monter les marches. Viens, mon enfant. Alors, mon enfant, tu étais où? Là, c'est la nouvelle Jérusalem. Hein Juste, euh, tu étais où? Il sait où on était. Papa, euh, moi j'étais avec Abraham. Hein avec Abraham, on a été visiter telle planète. On a survolé. Tout ça, toute la... Euh, euh, papa, mais on, on se rend compte, papa, que l'éternité n'est pas assez pour visiter tout ce que tu as créé. Et aussi pour connaître ta profondeur, parce que tellement tu es insondable. Et là, il va baisser sa main comme ça, on va monter dessus, et il va nous ramener, il va nous coller à sa poitrine, et on va, on va entendre les battements du cœur, et on va le serrer, on va voir son visage. On va voir ses yeux, on va voir ses cheveux, on va pouvoir toucher ses cheveux comme des bébés qui, un bébé, un enfant qui touche les cheveux de son père. On va caresser notre papa, un hein, papa. On va lui faire, on va l'embrasser. On va, mes amis, se, 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 se blottir en lui. On va, mes amis, se laisser hein, couvrir par le pan de sa robe. Alléluia. Ça, ce privilège-là, les anges ne, ne, ne l'ont pas. Et nous, nous l'avons, nous, frères et sœurs. On va être sur le trône avec papa. Papa, ça va, ça va, papa, bisous, papa. Je t'aime, père. Il va dire, je, je, je t'aime, mon enfant aussi. Je t'ai toujours aimé. Voilà. Bien, ça, c'est ton royaume. Je fais tout ça pour toi, pour vous. Oui, papa. Oh, papa. Bisous, papa. Bisous. Tout ça là. Et euh, ça va être glorieux. Bon, papa, tout à l'heure, je vais nager un peu, faire du dauphin. ouais mon, enf mon enfant, vas-y, tout ça, c'est pour toi, c'est pour vous. Et on va comme ça aller. Oh, allez, dauphin, tel, viens. Waouh, on, on monte dessus. Sous l'eau, on va respirer sous l'eau. Ouh, baleine, oh, bonjour, baleine. Oui, bonjour, tu vas où on va, se, on va se baigner là-bas. Tout ça. Tac, 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 tac. Un jour, tu, tu montes sur l'aigle comme ça, tu vas. Ouh, tu vas, Europe. je suis convaincu qu'il y aura plusieurs univers comme ça, là. mes amis. On va dans tel univers là-bas, là. on va voir telle planète où il y a des chutes comme pas possible. On rentre là-bas, on se baigne et on mange sous un arbre comme ça, et des anges viennent, toutes sortes d'anges, avec des ailes terribles, et ça loue, ça chante, tout ça. Ça va être, mes amis, magnifique. Ça être... Et les rues là-bas, pavées d'or, mes amis, transparentes, tout ça. C'est du verre-cristal. C'est des, des chutes de partout, des chants tout le temps partout, des, des, de l'herbe qui chante, des collines qui chantent. Ça va être, euh, mes amis, l'éternité. On va, pff, oh là 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 là, c est, c est, ça va être, euh, on va se voir comme ça, des groupes comme ça, on va à tel endroit, eh bien tiens, nous on va à tel endroit, on va aller louer là-bas, nous on va à tel endroit, à tel autre endroit, on va louer là-bas, tout ça. Et puis on va se retrouver avec le Yeshua tous les jours dans des jardins avec toutes sortes de parfums. Donc ça va être l'éternité. Je vais vous dire une chose, vous savez pourquoi les séraphins ne cessent de dire Saint, Saint, Saint » Et Yahweh des armées, parce qu'à chaque fois qu'on loue le Seigneur, à chaque fois qu'ils louent le Seigneur, il se révèle à eux sous un aspect différent et nouveau. Et cet aspect nouveau que le Seigneur leur révèle est tellement profond que l'éternité n'est pas assez pour le découvrir. Et ils disent encore Oh, c'est tellement profond, alors saint, de nouveau, un autre aspect. Oh, c'est magnifique, saint, de nouveau. Et donc, ouh, Alléluia, c'est ça. C'est à peu près ça. Mais ça, c'est juste pour vous. Mais, 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 mais c'est même pas encore ça. C est, c est... Alors, cherchons à lui plaire. D'accord Voilà. Le jour du Machia. C'est le jour où il va mettre de l'ordre dans le monde. Il a arrêté ce jour-là. Beaucoup se disent mais s'il existe, pourquoi il laisse tout ça des morts, des maladies, parce qu'il a arrêté un jour où il va mettre fin à la zizanie. Et nous attendons ce jour-là. C'est sera le message qu'on doit prêcher. Le jour du Mashiach. Il vient. D'accord Maintenant, pour finir, on a fini, hein, juste pour expliquer par rapport à l'Alliance. Euh, beaucoup d'enseignements que le Seigneur nous donne à donner choquent. Moi-même, ça me choque. Et on n'est pas les seuls à partager ces choses-là. Il y a d'autres chrétiens que nous ne connaissons pas. Qui reçoivent ces choses-là. Et on nous a fait croire qu'il y a Ancien Testament et Nouveau Testament. Vous voyez Donc, ils vont mettre dans vos Bibles, ils vont mettre euh, euh, Nouveau Testament juste avant Matthieu. D'accord Donc, en faisant cela, sans se rendre compte, ils, vont faire, ils nous font croire que euh, le fait de faire des sacrifices d'animaux, comme cet homme lépreux, c'est dit lépreux, Mais c'est encore d'actualité. Voilà pourquoi beaucoup d'églises, même en Afrique, demandent des sacrifices, même d'animaux. Parce qu'ils vous disent, ouais, c'est le Nouveau Testament. Alors que la Nouvelle Alliance, qui est aussi un testament, a commencé avec l'arrivée de l'Esprit, dans Acte 2. Et l'Ancienne Alliance a pris fin à la croix. Et entre la, la, nouvelle, la, la croix et l'avènement de l'Esprit, quand l'esprit est descendu, combien de jours se sont écoulés à votre avis Entre la mort du Seigneur et l'avènement de l'Esprit. Il y a eu combien de jours entre les deux événements les Vous ne savez pas ça Oh Mais yo, 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 yo. Ben, il faut revoir les bases hein. Ça sont les bases. Le Seigneur est mort à quelle fête lors de, lors, lors de quelle fête la Pâque. la Pâque, OK. Et l'Esprit a été déversé sur les chrétiens. Lors de quelle fête La Pentecôte. Donc, entre les deux fêtes-là, combien de jours s'est coulé 50 jours. Très bien. Voilà pourquoi Pentecôte veut dire cinquantième. D'accord Donc, entre la Pâque et la Pentecôte, il se coule 50 jours. Donc, quand le Seigneur est mort, c'était la Pâque ou la fête de Pinson-le-Vin. Ensuite, il est resté, après sa résurrection, 40 jours pour enseigner les apôtres, selon acte 1. D'accord Ensuite, il leur a dit, avant de partir au ciel, attendez, restez à Jérusalem jusqu'à ce que l'Esprit descende. Donc, ils ont attendu combien de jours 10 jours. D'accord Donc, entre la mort du Seigneur et l'avenement du Saint-Esprit, il y a eu 50 jours. Donc... À la mort du Seigneur, c'était la fin de la loi de Moïse, et il fallait attendre. Il y a eu un intervalle de 50 jours pour que la nouvelle alliance, n'est-ce pas, le temps où l'âge, le, le, le sixième âge, démarre officiellement. Donc, ce sixième âge a démarré officiellement avec l'avènement du Saint-Esprit. Donc, il y a eu 50 jours d'attente. Vous comprenez Voilà. Donc Frères, sœurs, un testament pour qu'il soit validé, il faut que celui qui l'a fait meure. Maintenant, si on dit que la loi de Moïse est un testament, mais qui était notre testateur Qui est mort pour nous, pour nous laisser ce testament-là Parce que ce n'était pas les animaux, parce que c'était les animaux qui étaient sacrifiés. On est d'accord Donc, ce n'était pas un testament. C'était une alliance. D'accord Voilà. Maintenant... La nouvelle alliance, donc il y a l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Voilà. L'ancienne alliance était basée sur les sacrifices d'animaux. La nouvelle alliance est basée sur le sacrifice de Yahushua. On est d'accord Et la nouvelle alliance est à la fois une alliance et un testament, parce que le Seigneur est mort et ressuscité, il nous a laissé ce testament-là. D'accord Voilà. Sa parole. Maintenant, l'ancienne alliance n'était pas un testament. C'était juste une alliance, un pacte. Est-ce que vous avez compris? Voilà. C'est faux quand on dit Ancien Testament et Nouveau Testament. Non. Donc la Nouvelle Alliance est, est aussi un testament. D'accord. Donc, Mais l'Ancienne la, Alliance n'est pas un testament. Donc il n'y a ni ancien, ancien Testament ni Nouveau Testament. Une Comment? C est, c est une ce sont des alliances. Et la Nouvelle Alliance est aussi un testament. Voilà. Vérifiez même en hébreu. Hein vous allez voir que... L'hébreu et euh, le, le terme hébreu traduit en français par alliance, ne signifie en aucun cas testament. C'est pacte, alliance, voilà. Et le terme grec traduit, par, euh, traduit en français par alliance, euh, ce terme-là signifie aussi testament. Voilà. Diatéqué. Voilà. En fait, ce que je vous dis là, ce sont des enseignements qu'on doit vous donner tout de suite après la conversion. C'est capital. Quelqu'un qui se convertit, on le, on le prend, on lui propose de la formation biblique et on lui dit, vérifie. Voilà. C'est quoi une alliance C'est quoi la croix Parce que tout ça, ça fait partie de la croix. Qu'est-ce que la croix On leur apprend toutes ces choses-là pour ne pas qu'ils soient manipulés, qu'ils soient contrôlés par d'autres personnes avec des faux enseignements. D'accord Vous savez que choix. Pour que ce testament soit validé. On a dû vérifier qu'il était mort. On est d'accord Voilà. On lui a per transpercé le le euh, avec euh, le côté, avec euh, le flanc, avec euh, une épée. Et de l'eau et du sang ont coulé. D'accord Ils sont venus pour rompre ses pieds, briser ses pieds. Mais ils n'ont ils pas fait parce qu'ils ont vu qu'il était déjà mort. On est d'accord Et il fallait aussi constater qu'il était ressuscité. Donc, sa mort a été validée. Voilà pourquoi son testament est devenu valide. D'accord? Mais sous l'alliance. Mosaïque, il n'y avait, avait, avait pas de testateur. Parce qu'il n'y avait pas seulement un seul animal qui était sacrifié. Il y avait des pigeons, hein il y avait des colombes, pigeons, tout ça. Il y avait des, 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 des veaux, il y avait des brebis. Donc, maintenant, qui est notre testament, testateur, à cette époque qui était notre, Il n'y en a jamais eu. Jamais. Il y en a qui vont vous dire c'est Moïse. Ben non. Moïse n'est pas mort à la croix pour nous. Voilà. Est-ce que c'est plus clair maintenant là, pour. Euh, voilà. Donc, ne, ne, si un enseignement vous choque, il faut pas, ne, cro, ne pensez pas qu'on est en train de délirer. Donc, vérifiez toujours. Allez vers le Seigneur, vérifiez. Vérifiez comme les, les juifs de Béret, dans Acte 17. Et vous allez vous rendre compte que c'est vraiment c'est la parole. Voilà. Mais vous allez entendre beaucoup de pasteurs vous dire c'est l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Et euh, Ce n'est pas parce que, que quelqu'un est pasteur que forcément ce qu'il enseigne, c'est biblique. Voilà pourquoi il faut toujours vérifier. Même ce que moi je vous dis, allez et vérifiez. D'accord C'est important. Maintenant, ce que vous entendez là, quand vous allez vérifier, comme c'est la parole, vous risquez d'être traité de fou. Vous risquez d'être traité pour des. Vous, là, là, vous délirez là parce que vous dites des choses qu'on ne nous a jamais dit. Dites. Hein dites. Donc, euh... Mais il y a des pasteurs qui le savent. Hmm. Question <laughs> Voilà, on peut sortir du direct.